Une fois qu'on comprend très bien les enseignements que je vais vous partager, cette formule-là, elle est partout. L'événement plus la réaction que tu vas avoir à l'événement va déterminer, en fait, l'effet, l'énergie, les résultats. On a vu la formule magique, l'équation magique, E plus R égale E. Ça aussi, vous devez garder ça dans votre tête, la gang. E, l'événement, hein, la situation, l'environnement autour de vous, l'événement, boum, ma machine à café, plus R, la réaction que je vais avoir face à cet événement-là, va déterminer la qualité d'effet, la qualité d'énergie, en fait, la qualité de ma semence. Donc, l'événement, donc, la machine à café, elle a fait un certain son. J'aurais pu faire la prendre, la pitcher, la lancer au travers de ma fenêtre sur la mouche, hein, faire deux pierres d'un coup, boum! Et non. J'ai fait comme c'est OK, on revient ici, je me suis ramené. Donc, j'ai réagi d'une façon juste qui a déterminé, j'ai eu une bouffée de chaleur, mais elle ne m'a pas contrôlé, que j'ai maintenu mon équanimité. J'ai basculé un petit peu, mais j'ai quand même maintenu ma stabilité mentale et qui a déterminé l'effet. Donc, je suis resté dans mon énergie au lieu de tomber en basse fréquence. D'accord? Ça, une fois qu'on comprend très bien les enseignements que je vais vous partager, cette formule-là, elle est partout. L'événement plus la réaction que tu vas avoir à l'événement va déterminer, en fait, l'effet, l'énergie, les résultats. Donc, les résultats que l'on a dans notre vie, c'est la somme de la réaction à tous les événements que tu as vécu. Quoi? Quoi faire ça? Les résultats que tu as dans ta vie, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe, avec ton poids, que ce soit dans tes finances, dans tes projets, dans n'importe quoi, les résultats, l'effet, donc la récolte que tu as, c'est l'équivalent, donc le égal, de les réactions que tu as eues face aux situations, aux événements. Parce que des événements, la gang, là, même quand on va grandir en pleine conscience, même quand on va méditer régulièrement, qu'on va boire notre jus vert, qu'on va prendre nos douches froides, qu'on va faire des triples marathons, il va y avoir encore des situations et des événements, parce que c'est yin et le yang, des situations et des événements que l'on peut juger négatives ou résistants. Mais c'est le yin et le yang, c'est les polarités, ça fait partie de la game. Le grand sage va vivre ses challenges, la seule différence, c'est qu'il est maître de son pouvoir de choisir, ce qui va faire qu'il va choisir le calme, l'axe, l'équanimité le plus parfait. Donc, il va faire la même affaire que toi et moi. L'événement qui est en train de se produire, lui, il est en maîtrise de son R, donc sa réaction, qui va déterminer l'état, l'énergie, l'effet, la récolte au travers de tout ça. Ouvre grand les bras à la vie.